j'espère que je vais pouvoir comprendre. So, when I was here in your conference, I saw what could be a definition of hacking. It would be the art of locking and unlocking data, or locking and unlocking things in general. Yes. Would it be a good definition for hacking? Yes, I think it's a very good definition. We don't want to find what it's inside to steal somebody. We just want to open the thing, unlock the system, understand how it works, and then find out how to. Finally, you can unlock it and see inside. C'est vrai que quelque part on fait un peu le cambrioleur, hein, on essaye de casser, de rentrer dans les systèmes. Et si on faisait ça pour de la sécurité physique, peut-être qu'on passerait pour un sale cambrioleur et puis on serait mal vu. Mais je crois au niveau technique, il y a beaucoup de gens qui comprennent à quoi ça sert et qui sont tout à fait convaincus que c'est un métier comme un autre, qui est tout à fait légal et honnête. On peut le faire, nous on le fait que sur demande de nos clients, on le fait que quand on a l'autorisation, donc vraiment de méchant, de mauvais à faire ça. Des fois, ça peut juste être de comprendre comment ça marche. Peut-être même sans le déverrouiller, mais d'arriver à hacker le driver d'un imprimante pour pouvoir lui faire quelque chose qu'elle ne faisait pas avant, c'est aussi très jouissif. C'est vraiment l'âme du hacker, même s'il n'a rien ouvert qui était fermé, mais il a réussi, en comprenant comment ça marche, à ajouter une fonctionnalité, à changer quelque chose, c'est aussi du hacking. Suivant les éditeurs des logiciels ou les constructeurs des matériels, il y en a quand même des qu'on a peine à accepter, qu'on les contacte pour leur dire que leur système est mal fait et qu'on a passé du temps à le casser. Mais la grande majorité de ceux qui sont professionnels, qui font bien leur métier, sont tout à fait, comprennent très bien ça et ils disent « Ah ben merci, ils essaient d'améliorer leur système ». Il y en a encore quelques-uns qui disent « Oui, mais vous êtes des sales gamins, vous allez mettre votre nez où il ne faudrait pas, arrêter ces histoires-là ». Mais c'est quand même grave, les gens comprennent maintenant que la sécurité, il faut la faire bien. Et pour la faire bien, il faut vérifier que ça a été bien fait. Ça donne tout de suite l'impression que quand on croit protéger nos données, en fait, elles ne le sont pas du tout, puisque des gens comme toi savent très facilement outrepasser les mots de passe des systèmes les plus simples. Alors, il y a du vrai là-dedans. On remarque souvent, surtout quand il y a des nouvelles générations de produits, par exemple les premiers téléphones mobiles où on pouvait protéger ses données, les nouveaux organisateurs, les ordinateurs, tout. Quand c'est les premières itérations et que c'est grand public, ben les constructeurs veulent aller vite, ils veulent sortir quelque chose qu'on peut vite montrer à tout le monde et ils n'ont pas la peine de faire bien. Et c'est suite au travail d'audit des gens qui découvrent des failles et qui les poussent à les corriger que ça finit par mûrir et devenir des produits sûrs. Donc on a certains produits grand public qui sont quand même assez sûrs parce que c'est la deuxième, troisième génération. Mais on sait que chaque fois qu'il y a un nouveau gadget qui va sortir, les premières générations, la sécurité vaudra. Et quand on veut vraiment sécuriser son gadget grand public, souvent on est obligé d'acheter un logiciel d'une autre société qui a de la bouteille, qui fait déjà depuis plusieurs années de ce type de logiciel, et installer ça en plus sur notre téléphone, sur notre ordinateur, pour être sûr d'avoir de la bonne sécurité. Le hacking, c'est l'art de comprendre des choses qui sont complexes que les autres ne comprennent pas, et une fois les avoir compris, de les utiliser à d'autres fins. Quand il s'agit de protection, c'est de voir comment on arrive à les ouvrir, mais il peut s'agir d'autres choses qui n'ont rien à voir avec des protections, mais qui est quand même du hacking, parce qu'on change la manière dont la chose fonctionne.